Bonjour à tous et bienvenue sur l'Actu, la chaîne de l'actualité People et Télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Quatre mois déjà que la disparition d'Olina le 23 septembre dernier et on ignore encore tout de ce qu'il s'est passé. De nombreuses pistes ont été explorées, notamment son petit ami ou encore la mort brutale de son ex-petit ami. Mais ce vendredi, citant des informations du DNA, la dépêche a rapporté un nouvel élément. En 2022, Lina avait porté plainte pour. Ce dépôt de plainte avait été confirmé. Selon les informations du quotidien, Lina aurait passé une soirée au domicile d'un ami, durant lequel elle aurait eu des rapports avec deux jeunes hommes. Elle n'aura alors que 13 ans. Et le 27 juin, elle est allée porter plainte. Cependant, sa plainte a été classée sans suite, insuffisante caractérisée, et deux jeunes gens évoquant de leur part des rapports consentis. Le parquet de Savanne, qui a traité la plainte, n'a pas souhaité répondre aux questions de l'AFP serait-elle sur une avancée pour l'enquête ou un détail qui n'est pas du tout en lien avec cette enquête. Merci à tous d'avoir aidé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.